Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon du Bourget, au Bourget, tout près de Paris, pour cette émission spéciale que nous tournons. Et vous allez voir, justement, on va vous parler de matériel, de gros matériel. Nous sommes ici devant un hélicoptère. Bonjour, Christian Marast. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur technique au sein de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Pour quel type d'utilisation fait-on appel à ces hélicoptères ? Donc, c'est un hélicoptère pour le transport tactique, pour une vingtaine de commandos et des déposes en zone hostile. Alors, si on regarde un peu sur le plan de la puissance, quel type de turbine va-t-on trouver ? Alors, c'est deux moteurs RTM 322 qui développent 2500 chevaux chacun. Et sur le plan de l'innovation, que peut-on remarquer ? Alors, c'est le premier hélicoptère à commande de vol électrique. C'est essentiellement un hélicoptère qui est tout en composite. Et quand on regarde un peu à l'arrière, on voit que la queue peut se replier, c'est ça ? Exactement, pour gagner de la place. Donc, on a le rotor et la queue qui se replie. Sur cette version, elle n'est pas automatique. Sur la version marine, elle est automatique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Le broyeur d'accotement de dévoie permet d'accéder aux endroits les plus difficiles. Ce broyeur à axe horizontal est disponible en 4 largeurs de 1,60 m à 2,20 m. Il se dote d'un déport de 700 mm et d'une inclinaison allant de 70 à plus de 90 degrés par rapport à l'horizontale. Il est conçu pour débroussailler plus facilement les bandes enherbées des rivières ou les accotements des routes. Par ailleurs, la corrode s'attelle sur le revers arrière ou à l'avant d'un tracteur d'au moins 80 chevaux. Great Plains va, à compter du mois de juin 2013, faire évoluer son offre commerciale afin de pouvoir offrir à des agriculteurs ayant de petites exploitations des outils de travail du sol avec moins d'options afin d'être capable de proposer des matériels à moins de 10 000 euros. Les nouveaux matériaux permettent aujourd'hui d'avoir des avions particulièrement légers. Je suis en compagnie d'Yves Jubeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes importateur pour Vulcanair et notamment de cet avion, le P-68 série. Alors effectivement, c'est un avion qui est léger, qui est capable de décoller avec relativement peu de longueur de piste. Tout à fait, il est capable de décoller en 240 mètres et d'atterrir en 200 mètres. Alors pour quelle utilisation ? C'est un avion spécialisé, c'est une sorte de couteau suisse si je puis dire. C'est un avion destiné au travail aérien, la surveillance en particulier. Donc surveillance par l'intermédiaire de caméras, mais aussi de radar, de lidar. Et il peut faire aussi de la photogrammétrie, ce qui permet d'établir des cartes, par exemple, par l'intermédiaire de photos aériennes. C'est un avion qui est en même temps performant en vitesse de croisière, parce qu'il atteint 320 km/h. Il a une très bonne charge utile pour en transporter le matériel et les opérateurs. Et une grande autonomie puisqu'il peut tenir l'air jusqu'à 13 heures, voire plus en réduisant la puissance. Et tout dernier point, son prix ? Environ 750 000 euros. Ça dépend bien entendu des équipements choisis. Mais l'ordre de grandeur, c'est 750 000 euros. Merci beaucoup. Vous voyez, je suis à l'arrière d'un hélicoptère avec effectivement un PC, une caméra capable de faire de l'observation au niveau par exemple des champs, mais aussi des villes, d'avoir une parfaite vue de ce qui se passe des centaines de mètres plus bas. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique 4x4. Attention, ce n'est pas un nouveau modèle, car la mécanique reste parfaitement identique à la précédente génération. En effet, le Captiva de Chevrolet vient juste de subir un léger lifting, mais qui mérite d'être signalé. À l'avant, on remarquera de suite un nouveau dessin des antibrouillards et du bouclier, qui lui donne un côté plus baroudeur. On notera aussi des jantes alliage 18 pouces et des feux à LED, ce qui inscrit ce 4x4 dans les standards actuels. Sous le capot, on retrouve un bloc moteur 2,2 litres turbo, développant 164 ou 184 chevaux selon les versions. Côté prix, il faudra débourser de 28 à 35 000 euros selon les modèles et les finitions. On se retrouve à présent pour le tracteur blind test. Êtes-vous capable de reconnaître la marque d'un tracteur uniquement en écoutant le bruit ? Écoutez. Vous avez reconnu ? Bon, alors maintenant c'est très simple, il vous suffit d'aller sur la page Facebook de Powerboost qui s'inscrit en bas de l'écran et d'indiquer la marque du tracteur et si possible, le modèle. À présent, notre rubrique nouveauté. Trois nouveaux modèles composent la nouvelle gamme de combinés FlexiWrap de Vicon.
Ils sont dotés d'un châssis porteur surdimensionné pouvant recevoir une cellule de pressage à chambre fixe ou variable, 1,65 m ou 2 m. La partie enrubanneuse est équipée de deux satellites avec pré-étireurs de 750 mm. Ces combinés reçoivent la technologie Isobus et sont compatibles avec le terminal Isomac TELUS afin d'assurer un suivi optimal des tâches. Alors vous le savez, les bus, on n'en parle jamais assez, pourtant c'est important sur la qualité de pulvérisation. Alors justement, on va en parler, je suis en compagnie de Gaëtan Martin, bonjour. Bonjour Antoine. Alors vous êtes chef de produit chez Caruel, puis Caruel c'est partie du groupe Excel, et Excel vous développez une marque de bus spécifique qui s'appelle Nozal. Alors justement, vous avez fait un kit qui est assez étonnant, et je voulais en parler avec vous. L'objectif c'est quoi? C'est pas pour être vendu à l'agriculteur? Non, complètement pas, c'est pour sensibiliser en fait à l'impact que peut avoir de la buse et la gamme de bus qui existe chez Nozal. Donc, le kit que vous avez ici, en fait, qui va contenir, comme vous voyez dans la boîte qui est ici, c'est un coffret de présentation de chaque buse avec son impact qui est présenté sur chaque fiche indépendante. Donc, ici, vous allez pouvoir retrouver la présentation et le descriptif de chaque buse. Ça a pour rôle et pour but d'aider tout ce qui va toucher à la buse, donc c'est-à-dire le conseiller en machinisme, le contrôleur en PV, pour pouvoir guider l'agriculteur dans son choix de buse par rapport à ce qu'il veut faire comme traitement, comme des hectares, en fonction de sa passion. Un coffret pédagogique qui va coûter combien, qui est envoyé à qui? Alors c'est un coffret qui a été envoyé à tous les conseillers de chambre machinistes, donc de toute la France, et également à tous les contrôleurs de pulvérisation. C'est un coffret qui est ultra complet où on va pouvoir voir tout le type de buse avec également clé de démontage. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors à présent, on va parler satellite. Je suis en compagnie d'Eric Gontier, bonjour. Oui, bonjour Jean-Paul. Alors vous travaillez pour le Vito. Effectivement, je suis devant un tout nouveau satellite que vous avez lancé. Il s'agit du ProBavé. Quelles sont ses caractéristiques? Alors ses caractéristiques, c'est qu'il a une résolution en nominale de 1 km, mais il a trois caméras. Donc les trois caméras peuvent avoir une résolution aussi également de 300 mètres. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rassembler ces images des trois caméras pour avoir en fait une couverture mondiale à 300 mètres. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est dédié à l'observation de la végétation. Tout à fait. Donc les caractéristiques, c'est finalement dédié vraiment aux données végétation. C'est la suite en fait de satellites spot végétation 1 et 2. Il fournit déjà des images? Alors, nous sommes dans, pour le moment, en recette en vol, c'est-à-dire c'est la phase qui dure pendant 6 mois, où on teste chaque fois tous les composants de tout le satellite. Nous avons déjà reçu les premières images. Nous avons des bonnes informations, comme quoi il fonctionne bien. Eric Gontier, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul et à bientôt. À bientôt. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Avis d'experts. Vous allez voir, on va parler de semences. Bah moi, j'achète toutes les semences certifiées. Ouais. On travaille avec de la semence propre, à température qu'il faut, température à 15 degrés, donc ça lève tout de suite. La manutention, tout en big bag, enfin dans le semoir directement. Ça... Non, moi j'achète que ça. Bon, après, ça a un coût, mais bon, on est vite amorti. Vous achetez des semences, vous prenez de la semence fermière, ça vous fait un trou aussi dans le budget. Hein. Vous n'avez pas de boulot, enfin bon, vous l'achetez directement, voilà. Ouais, je sais que je suis pour maintenant. Au départ, j'hésitais, j'étais en semence fermière, je suis tout passé. Voilà, on se retrouve tout près d'un drone équipé de capteurs. Alors vous le savez qu'en Europe, on n'a pas de drone et il serait grand temps qu'on puisse justement disposer de ces engins volants sans pilote. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique l'interview. Vous allez voir, on a une interview exclusive d'un grand responsable du groupe Kubota. Our long-term aim is to contribute to increase the food production all over the world. Under this idea, we have strong presence in the paddy field market in Asia and the cattle farmers market in North America. Furthermore, we will expand our aim to assist the increasing productivity in the upland field market. The upland field market is very important in the European area. We would like to strengthen our presence there. In that sector, we may compete with major agricultural companies in the future. Now we are developing a combine harvester that is over 100 horsepower for the Asian market. In relation to the European market, I'm unable to comment at this moment in time. Very sorry. We are planning to introduce tractors
up to 200 horsepower, including CVT models. But as yet, we have not decided where the production plant will be. However, Europe is one of the leading proposed sites. And thanks to you, we will be able to celebrate our 40th year anniversary of Kubota Europe in 2014. I would like to express to all people related with Kubota Europe my deepest gratitude. However, we have not decided what we will publicize in the celebration. I would like to be able to announce the large horsepower tractors at this time. In Europe, we are selling around 3,300 M-series tractors, which covers more than 60 horsepower range. I would like to aim to 10,000 M-series sales in more than 60 horsepower ranges, enriching M-series model lineup with focusing on higher horsepower tractors thereafter. For the future, it is planned to have the first product available in the Kubota brand. And our main priority is to capitalize on it in North America, where Kubota currently has a strong distribution network. On the other hand, we respect that Kubanaland will maintain the current distribution network and alliance in Europe. We don't have any plans to display higher horsepower tractors in Agritechnica in Germany in 2013. Also, the product ranges of higher horsepower tractors have been undecided as yet. Merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Mais juste pour finir, nous sommes dans le cockpit du NH90. Christian Marast, aujourd'hui, il faut toujours être deux pour piloter ce type d'hélicoptère ? Alors non, la particularité du NH, il peut être pilotable par une personne, mais la charge de travail nécessite quand même deux personnes en temps de, en mission de guerre. Le pilotage à une personne est justifié par un transit ou par des déplacements qui sont en temps de paix, essentiellement. Merci beaucoup. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez nous retrouver chaque semaine donc sur notre chaîne YouTube et puis aussi sur notre page Facebook. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.